célébration de cette Eucharistie, en reconnaissant nos péchés et demandant sincèrement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur votre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, c'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? Jésus leur répondit : il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Thank you.
Lecture de la lettre de saint Paul l'apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. La gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ, quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom, que l'on puisse nommer non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel.
Chers frères et sœurs, cette phrase qui conclut la première lecture de ce jour nous introduit à l'événement que nous célébrons. Le Christ, 40 jours après sa résurrection d'entre les morts, est monté aux cieux avec son corps devant ses apôtres surpris. L'ascension accomplit la mission de Jésus sur terre et ouvre le temps de l'Église qui sera inaugurée à la Pentecôte. Le binôme Ascension-Pentecôte s'apparente au binôme Passion-Résurrection dans le même mystère pascal, centre de notre foi, et allie tristesse et joie. L'Ascension célèbre l'élévation du Christ. Cet événement glorieux, loin d'être réjouissant, est dans un premier temps humainement douloureux pour les disciples du Christ. Car c'est avant tout de la séparation dont il s'agit. Les disciples seront désormais privés du visage de leur Seigneur. Pourtant, il ne les abandonne pas. Il sera sacramentellement présent au milieu d'eux tous les jours jusqu'à la fin des temps, et c'est à eux de le présentifier afin que rien de lui ne s'efface. Dans notre vie, il nous est sans doute arrivé de faire l'expérience de la séparation d'avec un être cher. Séparation pour toujours ou pour un temps plus ou moins long. À la gare ou à l'aéroport, ou lors des adieux, nos regards restent fixés sur l'être qui s'éloigne jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il demeure souvent établi la communion des cœurs nourris de souvenirs, mais rien ne paraît remplacer la présence. Et pourtant, la séparation s'avère quelquefois importante pour mieux se retrouver. Les disciples de Christ étaient tristes en voyant Jésus s'en aller. Et pourtant, ce retour en gloire du Christ était nécessaire pour l'accomplissement du mystère du salut et la glorification de notre humanité. Il s'avère de ce fait gage d'espérance et source de grande joie. Si par son incarnation, en effet, le Christ déifie notre humanité, par son ascension, il l'introduit dans la gloire divine. Le sceau de cette glorification est la descente de l'Esprit Saint qui anime l'Église et la vivifie, insuffle un nouveau départ et inspire la responsabilité des disciples par rapport à la Trinité Sainte qui sont appelés désormais à faire connaître. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Faire connaître, c'est avant tout être témoin. Être témoin et faire connaître, c'est traduire dans sa vie, ses actes et ses paroles, ce que la Sainte Trinité est et fait. Elle est amour et construit l'amour. Il s'agit donc pour nous de regarder vers le ciel et vers la terre. Regarder vers le ciel, c'est trouver des moments de ressourcement spirituel, prendre du temps pour la prière, se nourrir de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Mais c'est aussi et surtout se rappeler que l'Esprit Saint nous précède dans le cœur de ceux et celles qu'il met sur notre route. En regardant vers le ciel, il nous faut aussi regarder vers la terre pour annoncer le message de l'espérance à nos contemporains qui vivent dans l'indifférence ou dans l'hostilité à la foi chrétienne et raviver la foi de ceux qui peinent sur le chemin de la vie parfaite. Il nous faut réconforter à la lumière de l'espérance qui habite en nous de nombreuses personnes qui sont douloureusement marquées par la souffrance, le découragement, la maladie ou la séparation brutale d'avec un être cher.
Combien de fois n'avons-nous pas entendu des gens seuls ou désespérés dire en ce moment difficile marqué par le COVID-19, je suis heureux et même très heureux que vous m'ayez appelé ou soutenu. Jésus nous introduit dans un monde nouveau où ni le coronavirus, ni les violences, ni les guerres, ni les catastrophes n'auront le dernier mot. La victoire est au Christ, vainqueur de la mort qui nous introduit dans sa gloire. Il nous donne le pouvoir de marquer notre humanité du sceau de la Sainte Trinité. Que son Esprit Saint nous inspire et vienne sanctifier et renouveler toutes choses. Maranatha. 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 Esprit d'amour. Maranatha. Maranatha. Esprit de feu. Esprit de Dieu. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Pilate, a été crucifié, et est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, et maintenant il est sous cieux, et est assis à la gloire de Dieu du Père et de Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en la justice, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
Célébrons le jour très saint où notre Seigneur
Sanctifie ces offrandes en dépendant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour vous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous les fidèles qui n'ont pas pu être présents à cette Eucharistie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer.
mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cet Dieu, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets à nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vivrait avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant